Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes très nombreux, il est quelle heure là? Il est minuit 30 et vous êtes 1500, putain. Bienvenue sur Judgment, un jeu spin-off tiré des Yakuza. On va devoir mener une enquête apparemment trépidante, ça sera dans un mini open world du Japon. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà dit, mais c'est écrit sous vos yeux et ça c'est plutôt insane. Ça y est, Sega. Sega sous-titre en français, jeu en français. Quel plaisir! Et en plus, on nous propose même de choisir la langue audio et anglais-japonais. Bah là, les gars, c'est Sega, là, vous avez fait fort. Bravo, je vous applaudis. Je vous applaudis dès demain, si je puis me permettre. On est parti! Judgment! Oh, il est stylé. Bon, moi, quand je tire sur ma clope, ça fait pas une fumée bleue, mais bon, pour les faits, c'est quand même bien stylé. Il y a des mini-jeux. Affronter un adversaire local, c'est trop bien. J'ai pas envie de me spoil en cliquant dessus, mais j'ai envie de voir les mini-jeux qu'on peut faire. Mais j'ai pas envie de me spoil. Ouais, il a grave de flow. J'avoue que franchement, il a vraiment du flow. Ok, allez, nouvelle partie. Allez. Ah putain, j'adore les voix japonaises. Kaito-san, Sochedo. Ah non, c'est l'avocat. Ah, Don Quichotte, trop bien. Trop bien, Don Quichotte. Yaro wa mieteru ka? Pour vous dire au Japon, allez dans un Don Quichotte. Enquêteur de l'agence de détective privé. D'accord, donc je suis devenu détective privé. On va se courir direct, hein. Oh, les Japonais. Les Japonais, c'est du 1v12, hein. Ils ont rien à branler, hein. Oh là 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 là. Ok hein. Ok. Nande sore? Maji nano koitsu? C'est ouf parce qu'il donne les mêmes têtes, tu sais, dans les méchants, dans les mangas et tout, tu vois. On est passé d'avocat à maître de du kung-fu, gros. On est sur Judgment, un jeu sorti il y a quelques jours, exclusivité PS4, suite spirituelle de Yakuza, et sous-titré français par Sega, il était temps. Oh, il y a un club Sega. Oh, Loubar. Ok, c'est Loubar. Ok, la racaille. Voilà. Hop, il bouge pas, hein. Personne réagit, c'est normal, c'est le début du jeu, pas commencer à poser des problèmes, hein. Hop, les gens regardent au calme. Eh ouais, je suis maître en arts martiaux, régalez-vous. Bam, bam. Voilà. Hop. Ah, oh, ça c'est bien ça. Terminé le combat. La cagette. Voilà, le coup de la cagette, ça c'est très connu au Japon, hein. Ah, eh, battre les voyous, c'est fait, mon pote. 100 yens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Boum. Ah, le coup de la cagette, c'est très connu au Japon. Non, si vous allez au Japon, faites attention aux cagettes. Comment les Japonais, ils arrivent à retirer une bêche juste en mettant la main derrière? Putain, mais c'est incroyable. C'est pour ça que j'aime le Japon. Oh, beau gosse. Je pense qu'on est tous in love d'un voyou, en fait. Il est parti vers Pink Street. Ok. Ah! Comme je vous disais, vu que c'est tiré des Yakuza, c'est totalement, mais totalement un mini open world. Tout ce quartier est normalement ultra léché. On peut rentrer dans énormément d'endroits et tout. Et tout le jeu va se passer donc dans ce quartier. Pas besoin de faire des choses démesurées pour prendre du plaisir et kiffer. Donc là, je vais à droite et je vais tout droit normalement. Il n'y a pas de soucis. On est donc... Son chapeau sort de l'ordinaire et sa veste est originale. Il a un grain de beauté sur le visage. Ok, ça par contre, il faut que j'enregistre au cas où. Et une barbe naissante. Le genre de visage susceptible d'intimider les nouveaux. Voyons voir si quelqu'un répond aux critères. Ah! Dans ce mode, vous devez localiser votre cible en fonction des caractéristiques de cette personne dont vous avez connaissance. Le mode recherche filature se joue en vue subjective, en vue à la première personne. Vérifiez les caractéristiques de la... pour vous concentrer sur une personne. Oh, ils ont tous des chapeaux d'un coup, hein. Ah, en vrai, je raconte. Yeux en amande.
Ah, ça peut être que lui alors. Ouais, il a le grain de beauté. Ouais, une chance sur deux. Enquête terminée. C'était une sacrée enquête. Elle est vraiment stylée. Vous savez qui me rappelle? Il me rappelle un peu le gars de Tokyo Drift. À propos de la filature, quand vous causez quelques désordres que ce soit qui pourraient attirer l'attention de la cible, la jauge de prudence en haut de l'écran se remplit. Ça, c'est un classique. Si vous perdez votre cible de vue, vous échouez également. Très bien. Votre cible peut commencer à se montrer plus prudente, comme si elle se doutait qu'elle était observée. Ouais, Nani. Oh, ils mettent des ralentis partout, j'adore. Tant que vous êtes caché, vous ne pouvez pas bouger. Alors, trouvez le bon moment pour sortir en appuyant sur rond afin de ne pas perdre de vue votre cible. Hop, dégage. La racaille. Ça, hop, dégage. Les gars, vous vous rendez pas compte? Oh, on peut se cacher derrière un groupe et tout. Oh, trop stylé. Vous vous rendez pas compte à quel point, genre vraiment, dans les rues de Tokyo, c'est comme ça. Hein. Des distributeurs comme ça partout, des vélos un peu partout aussi, des voitures avec quasi pas de capot. Non, tu vois pas un mec derrière un poteau qui te regarde. Savoir qu'au Japon, il y a très peu d'armes, voire quasi pas. Donc ça se bat à main nue en fait. Parce que là, tu pourrais dire, bah attends, le mec il sort un Broly gros, tu vois, il commence à dire ouais. Non, tu peux pas en fait. T'as pas des armes comme ça. Très compliqué. Bon, impossible. Attends, mais il m'a baisé avec Non, mais on en est là ou quoi? Il me baise avec Oh putain de bordel. Ah bah je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'arme, hein. Ça m'étonnerait que c'était un flingue, hein, très clairement, hein. Ah, c'est stylé. Ils nous ont montré beaucoup de phases déjà. C'est normal, c'est le tuto, hein. Mais phase d'enquête, phase de poursuite, éviter les obstacles. C'est pas stylé. Ok, là. Ah putain, d'accord, ok, j'ai pigé. Wouah! Ok, phase combat. Yagami peut utiliser deux styles de combat, le grou et le tigre. Le style de la grue, je pense, est particulièrement efficace contre des groupes d'ennemis, tandis que le style du tigre est plus efficace contre un adversaire seul. Voilà, on passe en mode... Oh, mais c'est trop stylé. Hop, je mets ça pas. Ouais, mais c'est la première mission. Hein. Hop, boum, boum, get. Voilà. Regarde. Hop. Reventile-moi ça, mon pote. La méthode du tigre est toujours efficace. Hop, allez, ferme ta gueule. Hein. Voilà. Une petite gifle. Hey gros, quand tu prends des chiffres comme ça, donne l'argent, frérot. Oh, ça doit résonner des gifles comme ça.鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。どいたい先に手出したもそっちだろ。いいや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする？本当に出るとこ出る？でもやっぱ相手が悪いと思うよ。 Oh là là! Oh, le style du mec! Je veux que ça soit mon daron, je te jure. Imagine, c'est ton daron, ça? Il vient que des flushies comme ça, bam! Les deux, là, je veux que ça soit mon daron et ma daronne, j'en ai rien à foutre. Le jeu est beau de ouf. Allez, kédo, non, quoi, il y a? Mata. Au moins, notre livre, quoi. Y'a quoi, tu vois, il a une ligne, y'a ta sabine, la chine. Ou les nobles, ou à ma sonnouti. Socca.
Ah, trop bien, ça joue direct. Acheter un cadeau pour le bureau. Non, j'ai envie d'aller au Japon, les gars, s'il vous plaît. Ok, j'ai repéré direct le club Sega. Quand je suis au Japon, les gars, premier truc que je fais, je vais direct voir les figurines dans les UFO. Oh, normalement, c'est des jeux antiques qu'il y a dedans. Hein. Normalement, on peut jouer. Oh, mais non, je veux jouer. Virtua Fighter 5. Oh, on peut pas, je suis obligé. Oh là là, on reviendra. Ma vie, on reviendra. Allez, on va à la supérette. Ok. Des Dorayek. On a sorti. On va acheter parce que je vois que c'est un cadeau. Oula, 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 les loupards. Hop, on va passer la grue, mon pote. On va dézinguer tout le monde. Hein. Vous pouvez dépenser des PA pour améliorer les statistiques de base comme la santé et l'attaque. Ou apprendre diverses aptitudes de combat. C'est trop bien. Oh, on a un téléphone et tout, frérot. Tu vas loin, là. Ok, j'achète quoi? J'achète quoi? Saumural, très bien. Hop. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais l'achat! Complètement malade ou quoi, lui? Bon, oh, il a pris en scène du bordel. Putain, je passe pour un débile, hein, à aimer autant le Japon. Je suis tellement tombé in love. Alors, voyous, cinglés, crapules sans pitié, toutes sortes de bandits rôdent dans les rues, prêts à en découdre. Vous pouvez choisir de vous enfuir ou de carrément les éviter. Mais si vous leur donnez une leçon, vous gagnerez des PA et parfois même des objets. Sachez que la police débarquera si vous prenez trop de temps. Dans ce cas, quittez immédiatement la zone si vous ne voulez pas finir en prison. Rejoindre le cabinet d'avocat. Oh, ce petit boui-boui là. C'est souvent dans les petits trucs comme ça que tu te régales. Bienvenue, monsieur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a? Je veux voir si on le voit manger et tout, tu vois. Itadakimasu. Hop, c'est fini, ça dégage. Hein. C'était très bon, hein, si je pense. Yo, Saori-san. Kore dorayaki ne. Gentei mon datte. Genda Horitsu Jimusho wa ore no furusu da. 3 nen mae ni yamete irai. Kaobure wa sukoshi kawatta. Domo, Yagami-san. Hoshino-kun, dou? Koko wa mou nareta? Minasan yoku shite kureru nde. Ok, un petit avocat qui a été pris après mon départ. Yushu nan daro? Shihou shiken de mo top class datta tte? Nara motto okina jimusho de mo ike taro. Ya, nan te koto yuun desu ka? Kikoete ru zo, Yagami. Genda sensei, domo. Ore ni wa umi no oya o irete oyaji to yoberu hito ga 3 ni iru. Kono Genda sensei mo sono hitori. 俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに？夕方頃見てねえの。まあちょうどよかったじゃねえか。顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさかその尊敬する兄弟子ですよ。それをバカにするなんて。 うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生。ドラ焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思って。あ？Hop, elle a désingué le bordel. あれ？全部行っちゃった？ Elle est obscure. Ok. Demander du travail. Non, Saori-san. Nai desu. Ok. On va demander au. Au El Padre. Le jeu est beau, hein. C'est vraiment, hein. Nanka shigoto arimasen ka, Genda-sensei. Shigoto na. On va essayer de faire une autre mission. Et on va aller se balader en ville un petit peu. Et on va essayer de jouer au jeu. Konna abunakashi machi de. 平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金で取り立てが探偵の仕事か？まあ、仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう。何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ、八神。はい？お前もう弁護士に戻る気はねえのか？ありませんね。どうしてもかよ。
見てください。俺のこの目。こいつは人が善人か悪人か、まるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、あれはお前のせいじゃねえぞ。あれは、お前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。J'aime bien qu'ils sont quand même généreux sur les cinématiques en plus, en vrai. Je trouve ça plutôt cool. Ça fait plaisir à suivre. Il y a un peu de temps. En vrai, pourquoi pas faire un let's play un jour, hein, ça me paraîtrait pas dégueu. Hein. Petit let's play chill où on discute et tout, je vous parle du Japon et de ce que j'aime tant là-haut. Ça va, Brunosa? Donc en gros, vous avez bien compris tout le projet, je l'espère. J'ai été un avocat, j'ai réussi à faire en sorte qu'un serial killer, un tueur en série, soit acquitté. Sauf qu'il a, récidivé dès qu'il est sorti de l'acquittement. Bah, il a tué une femme que j'appréciais. Et depuis, j'ai raccroché. Je ne suis plus avocat. Et j'ai voté mon agence de détective. Il y a un meurtre. Honnêtement, c'est le jeu. Je vais être très franc avec vous, c'est le genre d'OP que j'aimerais bien faire tous les jours. Parce que malgré le fait que oui, c'est une OP, on va pas se mentir, bah j'ai accepté direct parce que moi on m'a dit c'était un Yakuza en gros sous-titré français. Tu passes pas à côté quoi, tu vois, tu le fais. Putain, tu peux rentrer quasi partout, c'est ouf. うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風は用してくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか。いや、源田事務所の交際費ってことだよ。東条会の松金組若頭、羽村恭平。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭がいらい人？ああ、逮捕された。殺人とした意気でな。マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが？源田先生が俺の名刺。渡してたらしくてよ。たく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。もしかして、2時間もするよ。これから彼女で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西教令会のヤクザだ。一週間前。神室町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って。ああ、死体の目がえぐられてたって、例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがや。ん？初めの2件は
羽村にアリバイがあった。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。連続殺人じゃないと。ああ、3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが、今回のだけでも片付ける気なんだろう。神室署までタクシーで行っていい。わかった。あ、on va prendre un taxi. OK, OK. Oh, oh bah d'accord. J'ai fait le malin. Regardez bien. Voilà. Oh, ce que je t'ai collé, mon pote. Alors, comment on ouvre son téléphone? Comment on ouvre son téléphone? Pas comme ça. Ah non, faut que je prenne... OK, faut que je prenne un taxi, c'est tout. 1000 viewers, c'est nice pour un... En vrai, pour un jeu pas hyper connu. Ah oui. Vous êtes même plus, vous êtes 1100. Et il est 2h du mat, les gars. Hamura-san, Genda Hōritsu Jimusho no Shintani desu. Kumi no kata kara go irai o ukemashite. Ah, tayori ni shiteru ze, Shintani sensei. Ma, orera mo nakayoku yarimashou ya. Uchi no oyaji to Genda sensei mitei ni. Sou desu ne. Dewa, sassoku desu ga, iroiro kikasete kudasai. Hanashi no uradori ya chousa wa, kochira no Yagami ga susumemasu. それは頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。ああ、お心当たり。実際に頭がやったのかってことです。どうなんです。やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は。俺をここから出すことだ。違うか。あ、違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか。いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな。てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが。おい八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにした。だろ、正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか。ああ、いいぜ。お前もいいな。OK。分かったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ、警察は何か言ってませんでしたか。他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ええ。ただ、警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は、羽村さんの話だけが我々の頼りでして。Désolé si je parle pas, je suis en enquête. そうかよ。それじゃあ、ヤガミ、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。被害者の久米とはどこで揉めてたんです。スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。その時に協力会と睨み合いになってよ。
ああ、そいつが組めって野郎だった。喧嘩ふっかけたのは頭の方から。ああ。関西の下っ端に喧嘩をされたんじゃ、メンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？うん。9時過ぎだ。クメと睨み合いになった後は、それで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ。 アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ、羽村さんは大勢で被害者を拉致した。ああ、アムールはうちの組で血持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく組に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後、奴は裏口から叩き出してやった。 俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。被害者の身元は確か。 久米敏郎、34歳。協力会の下っ端だ。久米は神室町に一人でいたんですか？抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが、名前は知らねえ。協力会の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。 クメの兄貴分。オッケー。まあ、いや、パレードミトオン、フェイト。ドンク、シャンスパ、キレチュアン、フェイト。その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったから。その頃、どこにいたって。 取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。神室町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。オッケー。 警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です。神室署、組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか。ええ。敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった協力会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘとも思ってねえ。気に食わねえデカだ。オッケー。今聞けることは大体聞けた。 Ah, je pense pas qu'il est tué en vrai, mais il a pas d'alibi quand même. Yagami, omae wa konato sauna goten ni ikkete kure. Ichio tenin ni Hamura no alibi o tashikameru. Ryōkai. OK, bon, on va y aller au sauna. Saiban suru made mo nei nda ga na. Très important, très important. Domo, sauna no hito desu ka? Hai. Irasshai. Dozo. いや、客じゃないんですけど、少し話せます。ん？何？Quel plaisir d'avoir une vraie traduction française. ああ。刑事が聞き込みに来たよ。事件の時犯人がうちに来てなかったかって。あんた何？記者かなんか？まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で。 Si je peux prouver qu'Amura était là la nuit du crime, le problème est clos. Mais il y avait soi-disant aucune preuve tangible soutenant un ami. あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。
だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。OK。Deux personnes de réparage. Elle. Pardon. 12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てません？ね。わかんない。やだ、超ウケる。ちょっとすいません。OK、lui c'est。12月3日の夜、サウナ御殿入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな？このハムラって男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも、3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう？今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は。Faire en sorte que les meufs, ça, ね。paye de l'alcool et les hôtesses c'est pareil. En gros elle fait genre elle s'intéresse à toi, tout ça tout ça, elle propose de boire et en gros tu consommes et tu te confies parce qu'il faut savoir que l'amitié, l'amour, tout ça au Japon c'est très compliqué. Donc tu vas dans des bars pour parler à de totales inconnus et eux ils font rater un maximum. Arigato. Gokyouryoku domo. OK. Bon bah on peut pas en savoir plus non plus. Par contre on se fait zéro thune avec cette connerie là. C'est très sympa. Ok, on va se reposer mon pote. Dormir sur le canapé, mission accomplie. Vous vous êtes enfin reposé. Eh ben nickel. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et ça va vous foutre les boules parce qu'à mon avis, on est sur un cliffhanger de qualité professionnelle. Oh putain, mais c'était Star. Oh l'enfer. Oh tout ce qu'il y a encore à... Insane Insane, on découvrira ça un petit peu plus tard. Hop, voilà. C'est fait. Bon, j'espère que le jeu vous a plu. Ouais, franchement, agréable surprise. Vraiment, j'ai kiffé, bordel. Reposez-vous bien. Je vous fais tous des gros bisous. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.